supprimer toutes ces petites merdes là. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, petit élément du décor, je pense que je vais le reposer à sa place parce que je sais rien faire avec. Même pas ça, vous avez vu genre. Si ça va, bof, non pas trop, bon on le repose. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo dans laquelle je vais essayer de faire un combo. Non pas un combo sinon ça serait nul à chier. Mais plutôt des combos avec un clavier spécifique. Ce clavier attention c'est celui-ci. Voilà c'est un petit clavier gaming. Et je vais essayer de faire un maximum de combos avec ce clavier. Alors voilà ce petit clavier je l'ai unbox il y a quelques mois maintenant. Et en fait il était RGB etc. Il était bien et tout. Mais j'avais pas vraiment essayé de faire des trucs de ouf avec. Donc je vais essayer de faire des trucs de ouf avec sur Minecraft. Et plus particulièrement sur Mainman. Et à la fin je ferai un petit montage ou une petite compilation de tous les meilleurs combos que j'ai fait avec ça. La difficulté avec ce clavier ce sera par exemple qu'il manque des touches à part ZQSD. Après il manque un petit peu d'autres touches et tout, ça peut être chiant. Mais bon on va essayer de s'adapter pour la vidéo. Mais le plus important en PVP c'est l'aim et la souris. Donc ça ça va, juste les touches je pense que c'est un petit peu compliqué. Bref mais juste avant de passer au combo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner dès maintenant. Faites le sinon vous allez tout simplement bah oublier. Je bois un petit peu, vous avez le temps de le faire franchement. Allez c'est fini. En tout cas je suis très content de tous les retours qu'il y a eu sur mes vidéos en ce moment. Entre le setup et les vidéos défis avec les souris, je pense que bah franchement je peux être que content. Au vu des statistiques et de vos commentaires, vous êtes vraiment très content. Le setup a fait beaucoup de vues. Il y a des vidéos clavier qui ont fait énormément de vues il y a pas longtemps. C'est assez cool. Mais juste avant, regardez bien. Mais juste avant de commencer la vidéo, désolé pour toi, je vais pas faire gagner cet iPhone, mais j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Si tu as par exemple des projets ou un ordinateur, ce qui est réellement très fort probable, que soit par exemple t'as ce petit message de Windows qui te dit activer la version payante, c'est pas très bien. Ou soit que tu n'as pas Word, Excel ou ce genre de logiciel pour travailler en toute fluidité. Aujourd'hui je vais te parler d'un site qui s'appelle CD Case Sale. Alors voilà c'est un site qui propose beaucoup de licences et de clés à des prix très très bas. Et alors voilà en ce moment vous avez Windows 10 Home, Windows 10 Professionnel et Office 2016 avec un bundle tout en réduction. Ok bien maintenant je vais vous montrer comment on commande par exemple Windows 10 Pro qui est à 16€ et qui sera à 13€ avec mon code promo. Donc on fait acheter maintenant, on arrive ici, on met JXW, appliquer, voilà, code promotion utilisé avec succès, soumettre la commande. Et là vous payez soit avec PayPal soit avec une carte bleue. Moi j'ai déjà Windows activé, donc bah du coup je vais pas le faire hein. Ça sera un petit peu con de payer deux fois Windows. Donc profite du code promo pour aller acheter tout ce que tu désires. Allez c'est bon, on passe à la mise en place du petit clavier. Ok donc petit... Y'a rien qui va là, vraiment rien du tout. Ok donc petite mise en place du clavier, je sais pas si vous me voyez bien. Donc c'est parti, on va remplacer ce clavier. On va le pousser jusqu'au bout, sans le faire tomber bien sûr, voilà. J'ai tapé l'écran. Mais comment c'est possible? Et si je le pète, j'ai vraiment trop le seum. Au vu du prix, 300€ pour cet écran 144Hz, ça fait quand même beaucoup. Ok, donc on pose le clavier et on va le brancher directement ici. Vous allez voir le RGB à quoi il ressemble. Aïe, mon poignet. Putain, à chaque fois que je branche un truc, les gars, c'est vraiment une horreur. Vraiment, j'en ai marre. Ah, mais il y a trop de fils. C'est fou. Je sais pas si on voit bien, mais voici un petit peu les couleurs qu'il fait. Donc c'est assez simple, mais au moins il y a des couleurs et tout. Donc franchement, plutôt pas mal. Donc on se retrouve pour faire des combos sur Minecraft, tout simplement. Allez, c'est parti. Et bien heureux, on se trouve sur Minecraft. Alors le clavier, du coup, bah il est assez bien pour la prise en main, mais écoutez le bruit. Le bruit est beaucoup trop bah, imposant. Je veux dire, franchement, on dirait que je tabasse un clavier carrément. Et au niveau de l'utilisation, bah, il est assez simple. Regardez, je peux faire le jump normalement, tout simplement. Bon, écoutez, le jump, ça nous suffit. Maintenant, on va passer au PVP. Donc, c'est parti, let's go pour faire un petit truc assez sympa en PVP. Ok, donc premier fight, c'est parti. Putain, mon téléphone aille... Ah, je déteste recevoir les notifs quand je fais des vidéos, vraiment. Pour l'instant, je suis pas perturbé par le petit clavier parce que bah, j'ai toutes les touches qu'il faut. Là, par exemple, je voulais faire F3, bah, il n'y a pas de F3. Donc, c'est parti. Allez, let's go. Ah, pardon. Eh, dites-moi qu'il cheat pas, par contre, je crois pas. Ah. 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 Il manque des touches. Je pouvais pas atteindre les potions. C'est pas sur lui que je pourrais faire des combos, les gars, ça, c'est sûr. Mais regardez! Non! Il cheat! Yes! C'est un modo? C'était un modo! Mais non, il cheat pas alors! Il m'a mis nice! Mais j'avais. J'avais vraiment l'impression qu'il cheatait. Par contre, pourquoi la touche échappe ne fonctionne pas? Ok, deuxième fight, donc c'est parti! Pour l'instant, zéro combo, les gars! Mais je pense qu'on peut en faire des très beaux des combos là. Avec la qualité du clavier, je pense qu'on peut faire un truc pas mal. Donc c'est parti, let's go! Ah! Il m'a touché à combien de blocs là?
Là il y avait un petit truc, là il y avait un petit truc les gars. Yes. Bon franchement pas fameux hein. Vraiment les gars il se passe rien là. Non j'allais faire un combo de ouf. C'est injuste. Yes. Mais pourquoi t'abandonnes? On remet ton stuff. Victime. Grosse victime. Les gars, dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos quad. Genre j'ai un quad et je m'amuse souvent avec. Oh! Alors ça c'était beau les gars. Ouh. Arrêtez de m'envoyer des messages. J'en ai marre, mon téléphone n'arrête pas de s'allumer les gars. C'est vraiment contre-productif. C'est une horreur les gars, vraiment. Vous vous rendez pas compte à quel point genre ça vous distrait un téléphone. Oh, oh, oh. Je m'en fous, je le mettrai dans le combo. Allez c'est parti, let's go. Le coup de grâce. Ok, GG. Mais franchement on s'emmerde un petit peu là, je fais pas beaucoup de combos. Ah, un abonné, salut mec. Allez GL. Oh. Pardon. Mais quoi? Ah. C'était quoi ça? J'ai envie de gueuler. Mais vu que personne bouge, on va aller en combo pour faire des combos, non? Fou. Il se passe rien, c'est vide, mais c'est vide. Donc c'est parti, on va faire un petit peu de combo et puis là on va essayer de faire un truc assez clean. Mais là c'est complètement donné les combos là sur ce mode de jeu. Regardez, vous arrivez, vous mangez une pomme et là vous avez juste à faire ça. Et là c'est parti, regardez, hop, vous êtes prêts? Hop là, voilà. Allez c'est parti. Voilà. C'est vraiment tout simple hein. Honnêtement quand les gens reculent et qu'on est en combo, c'est beaucoup plus simple. Parce que regardez bien, il broque déjà tout. Hop, son snip à broc. Son débardeur, il va à broc. Ok, c'est bon. Et là, ça va être fini pour lui. Ah non, ça va être pour moi que c'est fini là, non? Attention, retournement de situation ou pas? Retournement de situation, c'est parti. Ok. Ah, mais pourquoi il recule comme ça? Qui fait ça? Non. Ah, ça va être chaud là. Oh là là. Non. 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 Il va me tuer. Comment je fais? Là s'il me touche c'est qu'il y a un problème. Non. Non. What? C'est le meilleur combo que j'ai fait de la session. Mais what the fuck. Que dire de ce magnifique petit clavier? C'était une galère pour faire des combos. Je vous jure les gars, j'ai transpiré, c'est rien passé durant la vidéo. J'ai quand même réussi à jouer, mais le fait que ce soit avec un minimum de touches, bah c'est un peu dommage parce qu'il y a des choses que je pouvais pas faire, comme par exemple F3. Mais bref, j'ai très transpiré. Mais ça existe pas ça en français. J'ai beaucoup transpiré. Les joueurs étaient putain de chiants, vraiment, on va pas se mytho. En tout cas, j'espère que vous avez aimé me voir un petit peu rager, même si, voilà, on évitera de faire ce genre de vidéo trop souvent parce que c'est un petit peu chiant là. Là, je transpire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais faire autre chose parce que là, il fait très chaud dans ma chambre et en plus, j'ai très chaud. Donc, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.